Hey, salut tout le monde, ça c'est Léopold, j'espère que vous allez bien. Franchement, c'est pour les gens qui aiment vraiment regarder le début, c'est au top. Vraiment, c'est l'histoire fantastique. En plus, ils ont mis l'héroïne que j'adore depuis la nuit des temps. C'est une surprise. Alors, j'espère en tout cas qu'elle va être gratuite. Ah bah ouais. Lara Croft, c'est gratuit! Niveau 15. Au niveau 15, elle est gratuite. Aïe, 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 aïe. En plus, il y en a partout de Lara. Que de Lara Croft, ça fait du bien. Vraiment, ils commencent à mettre des skins vraiment au top. Enfin, comment ça déjà fait. C'est déjà mis depuis longtemps. Mais là, c'est bluffant. Vu que c'est gratuit. Enfin, gratuit, il faut acheter le pack de combat. Voilà, donc que demander de mieux? Là, je suis vraiment content d'avoir des nouveaux skins qui sont dignes des autres jeux. Voilà, les autres jeux, ils sont présentés vraiment sur des passes de combat maintenant. Vraiment, ça fait super plaisir. Et du coup, passons aux passes de combat. On va acheter. Là, j'ai défilé un petit peu trop vite. Acheter des passes de combat. Ok. Pas de combat. Hop. Donc là, comme d'habitude, j'achète le pas de combat classique. Hop, c'est parti. Confirmer l'achat. Le premier, bien sûr. Voilà, le pas de combat est acheté, déverrouillé. Donc normalement, je dois avoir deux ou trois skins. Hein. Enfin, j'espère. Non, même pas. Non, j'ai rien débloqué. C'est quoi cette arnaque? Ça devient de plus en plus arnaque là. C'est pas possible. D'habitude, normalement, c'est jusqu'au 5, je crois. Jusqu'au moins 4. Là, c'est juste le premier qui est débloqué. C'est pas juste. C'est vraiment pas juste. Là, il faut vraiment tryharder pour tout débloquer jusqu'à niveau 100. Pour moi, en tout cas, je précise, jusqu'à niveau 100. Et après, bah. Avec le temps, ben peut-être que je serai arrivé jusqu'au niveau 160. Après, c'est jusqu'au 8 juin. Saison 6 jusqu'au 8 juin. Ok, d'accord. Ben donc, j'ai largement le temps pour débloquer. Nous sommes au mois de mars, avril, mai, juin. Donc, on a 3 mois pour arriver jusqu'à 200, hein, si on tryharde. Maximum, vraiment. Par contre, les filles sont mises en avant dans cet épisode de la saison 6. C'est vraiment au top. Donc, pour compter, d'habitude, si on ne se fait pas arnaquer au niveau des V-Bucks, attendez, je vais changer comme ça va plus vite. On va compter ensemble le nombre de V-Bucks. Normalement, il doit avoir 1300. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Ok, bah les comptes sont bons. Bon, le dernier skin, moi, de toute façon, ce qui m'apporte, c'est Lara Croft, hein. Mais après le dernier skin, ça laisse à désirer quand même. Hein. Vraiment, ça laisse à désirer quoi. Hop, attendez, je clique dessus, mais ça n'a pas marché. Ah, je peux pas aller directement là-bas. Hop. Hop, je vais aller sur Lara Croft. Lara Croft. Voir les récompenses. Hop, voilà. C'est comme la dernière. C'est comme la dernière en tout cas. Lara Croft of Sirius Shadow, ouais, elle était pareil. Mais bon, sauf que ce que j'aime pas, c'est qu'ils mettent pas exactement comme dans le vrai jeu, quoi. Moi, j'aurais bien aimé avoir le vrai visage de Lara Croft. C'est vrai que là, on a le style de Lara Croft, mais on n'a pas le visage de Lara Croft. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Moi, j'aurais bien aimé avoir son vrai visage pour se dire que voilà, c'est vraiment Lara Croft qui est là. Pour les gens qui ne connaissent pas, là, les gens, ils ne vont pas savoir que c'est vraiment Lara Croft. Hein.
que si on va comparer, ouais, par rapport au style vestimentaire, oui, on peut, ça, on peut dire que c'est de la, c'est la Kraft, mais du visage, non, ne ressemble pas à la Kraft. C'est un autre personnage, quoi. Là, c'est notre visage, quoi, qui est présenté. Mais bon, je suis quand même content. C'est, elle est présentée digne de la Kraft. Voilà, je pense pas qu'il y a d'autres choses à montrer. Bon, on va regarder les skins. Ouais, les skins, ils sont. Ouais, franchement, les skins, comme d'habitude, c'est au top. Hein. C'est vraiment au top, les skins de passes de combat. Franchement, il n'y a rien à dire. Après, je peux comprendre que maintenant, ça prend plus de temps pour faire. Parce que les idées, ça ne vient pas tout le temps. Hein. C'est vrai que quand on est créateur. Les idées, ça vient pas toujours tout le temps, donc il faut du temps pour avoir de vraies idées et le temps de réfléchir et tout ça. Après, moi, je peux te comprendre. C'est vrai qu'au début, il nous a montré des filets comme ça, l'espace d'un mois, parce que les idées, elles étaient déjà faites avant. Mais maintenant qu'ils sont en cours d'idées, c'est normal qu'ils prennent le temps pour faire les choses. Mais franchement, oui, je ne suis pas déçu. Là, je peux faire cette saison que la saison dernière, parce que là, je vois les skins, ils sont vraiment travaillés, quoi. Ils sont mieux faits et voilà. Mais bon, après chaque saison, on a toujours tendance de trouver des skins qui sont meilleurs que d'autres, quoi. Donc, voilà. Bon, j'espère en tout cas que vous avez passé un très bon moment en regardant cette vidéo. Je compte sur vous de cliquer sur le pouce vers le haut et de partager surtout de commenter aussi pour savoir de ce que vous en pensez de cette vidéo. Et toi qui passes par là, qui n'est pas encore abonné, ben je compte sur toi pour t'abonner. C'est gratuit, c'est 100% gratuit. Il n'y a pas d'achat obligatoire. Et puis n'oublie pas aussi d'appuyer la petite cloche, hein, pour recevoir les notifications, bien sûr, pour voir mes prochaines vidéos. Et je compte sur toi et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, mes amis. Ciao, ciao!